Hey, salut YouTube, comment ça va? On est au combat final de Baldur's Gate et on se fait épiner. Donc, voilà. C'est entendu. Prépare-toi à revoir le même combat que. Une trentaine de fois. Oui. Je m'en voudrais de. Oui. On va déjà balancer des souffles du dragon. Encore vivant, évidemment, ils n'ont rien eu. Que puis-je faire pour toi? Est-ce qu'il faut que Kelben s'interrompt? Dans un labyrinthe. Elle est quand même gravement blessée. Bah, on savait que genre le livre des golems, c'est vrai que je l'avais complètement oublié lui. Après, il faut trouver des invoques qui vont relativement vite à faire. Le golem il s'est fait kill instantanément. Faut que tu survives. C'est le problème, c'est que ça pose tellement souvent que je sais même plus dans quel point on est au du round. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Bon, on va voir. Je pense que j'ai vraiment de l'avoir avec des fouets de Kelben, ça avait l'air d'avoir pas mal marché. Avec des brèches ou des trucs comme ça, parce qu'il doit se jeter des pots de pierre ou des trucs de résistance aux dégâts. Il y a pas un truc qui dit qu'elle se lance immédiatement. Pot de pierre. Elle est où? Je la vois pas avec ce truc de lumière, c'est chiant. Mais ça ne ressent pas les coups, c'est qu'elle a dû se rebalancer une pote. Ah, ça c'est Valigar. Elle est là. C'est chiant! Allez, allez les bourrinos. Que puis-je faire? Je
Je pensais bien. Yes. Eh ben. Allez, deuxième phase du combat terminée, il reste une troisième. Oui. Que puis-je faire pour toi? Soit. Je pense que Valégar, on n'est pas prêt de le revoir. Jaira non plus. Avec labyrinthe, ça va prendre bien du temps. Allez. Oui. Mettons-nous à l'œuvre. C'est pas encore fini, hein. Venant de Marguerite. Ouais, tornade plus coup critique, ça doit pouvoir passer, mais. Ça me demande quand même. Que puis-je faire pour toi? Plusieurs essais. On va se faire les alus démons d'abord qui sont relous. Putain, il souffle comme ça, c'est trop chiant. Les marilites doivent être immunisés aux armes normales. Ah, ça m'a la seconde plus lance, ça. Jaira, tu vas crever. Sauf miracle. Ah bah Vicogna, tu es morte avant, j'aurais pas parié dessus. Boule de feu dans le toffe, un souffle du dragon. Ouais, mais là, j'ai bien envie de garder mes souffles pour ce que je peux faire et qui marche pas mal. C'est une bonne vieille, c'est sûr. Évidemment, ça résiste à la magie. Donc ça ne sert à rien. Je m'en voudrais de refuser. Ok, ça c'est fait. C'était rapide et douloureux. Même les petits combats intermédiaires deviennent durs en fait, parce que avec le temps, on a beaucoup moins de sorts qu'avant. Autant dire qu'on galère un peu. Ouais, c'est vrai qu'on a des baguettes, des potions. Et qu'on a aussi le droit de les utiliser. C'est entendu. Baguette de convocation des monstres. Classique. Les techniques ancestrales. Qui c'est qui est mouru? Ah, c'est Jaira pour eux. Non, est-ce qu'on peut tenter? Ouais, non, alors ça va très très mal passer. C'est même pas la peine. Après, dans un box, c'est vrai que ça marche pas mal. Au moins, il y a le squelette en premier pour qu'il se prenne 2-3 trucs dans la tronche.
au moins le charme de la succube. Oui. C'est entendu. Les marimites sont là. Ouais, évitez de décéder, merci cordialement. Évidemment, t'es en panique. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, alors, je crois que le sauveur déçu est mort. Les Valigar qui possédaient. Et Jaya est morte. Ouais, d'accord. Les deux bourrins qui étaient possédés, ça ne pouvait pas bien se passer. J'avais réfléchi à un truc super intelligent et j'ai perdu mon fil de pensée. Mais qu'est-ce que tu fous au milieu de la baston, toi? Oui, t'es lancé une protection contre la peur, mais faire. Et qui me semblait une bonne idée sur le coup. Alors, pas ça a l'air normal. Voilà, ça c'est fait. Même les combats intermédiaires deviennent insupportables. Je suis insupporté. Évidemment, on peut pas se reposer. On avait dit aussi de vous filer des propos. Hop, les deux gros billes. On les booste un peu plus. Ça c'était Valigar. Le truc c'est qu'il va falloir buter la succube au premier parce qu'elle va me gaver. Bah oui, il fait mal Valigar. Alors, on a quoi? On a les nuits des monts là-bas. On a le solaire déçu ici. On a les deux marguerites. Bon, je vais faire les nuits des monts. Protection contre le mal et invoque un fielon. Ouais, ils seront défoncés en deux secondes. Et je peux. De toute façon, je peux plus changer mes sorts donc. Alors que je fasse avec ça. J'ai plus trop la possibilité de changer.
Ouais, les équipes Ligue d'Invoque. Ça se teste. Ah, j'ai encore une invocation de fiel. C'est pas faux. Je pensais que j'en avais plus. Après, il se fait défoncer instant. Hein. Le beau portail à sa maman. C'est entendu. Le Valigar qui possédait. Ça, ça devait être l'alu. La succube est morte. Je ne sais que l'en être. Que puis-je faire pour toi? Je ah, c'est vrai qu'en même temps, ça me permet de reculer les. Ceux qui ont besoin de soins. Donc, c'est pas plus mal. Soigne aussi, ouais, mais je pensais pas que Viconia allait mourir aussi vite. C'est entendu. Vengeance. Je ne sais plus. C'est entendu. Elle est morte très très rapidement. Les dommages, on a dû voici en arrière. C'est inconcevable. Exactement pour la raison qu'on est en train de se produire, c'est que je voulais pas que vous fassiez poursuivre. Le critique. Les marilites, je dois pouvoir les annuler. Oui. La victoire sera nôtre. Je suis toujours là. Cette entrée à l'île est invulnérable. Non, pas du tout. Que puis-je faire? Je m'en voudrais de vous. J'ai vu que Fed avait perdu sa peau de pierre, c'est la merde. Oui. Et Viconia est morte. Très chiant de se faire déchu. Oui. Je ne sais plus que puis-je faire. Je suis toujours là. Mais c'est
Et en plus, ils prennent des coups par les marides, ils ont poison et tout, c'est la totale. Là, ce qui m'est morte, c'est là dans les buts. Bon, Solaire est mort. Ça règle pas complètement le problème. Est-ce qu'il faut encore se faire les marilites? Et qu'elle soit immue aux armes magiques. Oui. Si on balance des brèches ou des trucs comme ça, on n'a plus rien pour Mélissane derrière. Dans son pot de pierre derrière. C'est inconcevable. Ah. En voilà une qui commence à crever. J'en ai assez. En quoi enfin utile. Il n'y a plus qu'à se faire la deuxième. Désolé, je lis pas trop le chat, je suis un petit peu concentré. Eh ben putain! Ça c'est fait. Bon! Dernière phase. On va essayer de soigner un petit peu tout le monde comme on peut. Ouais, c'est chaud, hein. Là, j'avoue que... On va essayer de lancer un petit peu les derniers sorts qu'on a dans la bataille. Qu'on avait un parchemin de hâte. Il va bien nous servir, j'espère. En même temps, t'es pas si haut level. Ouais, c'est... Enfin, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Niveau 25 avec le perso principal. C'est mignon. Allez, première tentative. Imaginez, le sort en est jeté et fait ton destin contre le mien. Finissons-en une bonne fois pour toutes, la récompense ira le vainqueur.
bonne fois pour toutes. La récompense ira au vainqueur. Déjà, elle commence par une poêle de pierre. Je contre. Alors, tornade de l'âme. Les souffles de dragon, l'enchaînement. J-Rock qui se prend un critique dans la face et qui meurt. En plus rien comme sorte de protection, c'est vraiment la honte. Ah, je suis ton parfait. Oui. Oui. C'est entendu. Allez. Allez, 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 hein. À ce que j'imaginais, le sort en est jeté. Que puis-je faire? Ton destin contre le mien. Finissons. C'est ton destin. La récompense ira au vainqueur. Le pain. Justement, c'est une protection magique, on va essayer de mettre d'ici. Pas sûr d'ici. Ouais, mais elle veut des trucs différents à chaque fois. C'est le côté un petit peu funky de la chose. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était déjà mort. Hop. Hop. Elle est où? Elle est là. Elle est blessée. Grandement blessée. Déconne pas, Josiane, hein. Faut mourir maintenant. Meurs, pourriture communiste! Ah putain! Normalement, tu finis quel level cap? Ça dépend des classes en fait. Le maximum d'XP c'est 8 millions. Bon, il y a moyen de finir, faut vraiment la bourrer, faut vraiment la focus à fond parce que. Sinon, ces invoques à côté, elles font très très mal. Ton destin contre le mien. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Je suis toujours là.
Bim. Que puis-je faire pour toi? Toi, j'espère que t'as encore des trucs quand il sort. Ouais. Elle est où dans tout ce bordel? Eh bordel! Faut que j'arrête de... Alors ou alors je peux commencer avec les coups critiques histoire de la descendre rapidement et après je peux balancer des tornades pour la finir en 2-2. On va essayer de faire ça plutôt. Que puis-je faire pour toi? J'y crois à mort! Pour tout cas, faut commencer par une brèche. Contre le mien. Finissons-en une bonne fois pour toutes. La récompense ira au vainqueur. Je suis toujours là. Je ne sers que la nature. Oui. Hop, et derrière on va essayer de garder Imoen en contrôle en balançant des sorts de debuff pour Mélissane. Exprime ta petite tête. Il y en a où? Encore que les gens ont blessé. Que tu peux taper la madame. Toi t'as plus grand chose d'intéressant. Non pas que la Brésil s'en fout. Ah ouais, c'était un gros enchaînement. Allez, allez, allez! Vous avez les doigts, croisez-en un max! Allez! T'es où, Josiane? Elle s'est balancée un soin. Je ne sers que la nature. C'est entendu. Elle a eu le temps de se balancer un soin. Je suis contrit. C'est supérieur à ce que j'imaginais. Dirons-nous. Oui. Oui, c'est. Oui, je vous
fait donc, la même technique, elle s'éloigne et puis elle va... Ouais, elle s'est soignée, c'est bon, c'est un bon gros soin. J'en ai assez. Ouais, elle fait sa petite danse dans son coin. Imoen a pris un petit peu cher. C'est qu'on avait une bonne technique. Mais elle a eu le temps de se soigner. Ta force est supérieure à ce que j'imaginais. Le sort en est jeté. Ton destin contre le mien. Finissons-en une bonne fois pour toutes. La récompense ira au vainqueur. Je suis toujours là. Je ne sers que la nature. Non, pas sur Valigar, on ne jette pas de suppression de protection sur Valigar. Bon, la situation est un petit peu illisible. Allez, là. Je me suis permis de zoomer parce que je vois plus ce que je fais. Ça, c'est un glabrézu, on s'en fout. Encore indemne. Oh, c'est bon ça. Peut-être repasser en coup critique. Toi aussi. Les mecs, vous avez des indigestions de potions de soins. Il était temps. Je m'en voudrais de vous. Il me reste cette arme donc totalement pourrie. Je vous manque. Ça revoque. Je vous aiderai de mieux. C'est pas grave. Que puis-je faire pour toi? Petit soin sur Valier qui commence à bien manger. Ben ouais, normalement il est censé lancer la tornade, mais il est sous lenteur donc du coup c'est un petit peu la galère. Je pense que je vais l'éloigner parce qu'il va crever. Et il est mort. Il était enfermé par les invocations, il pouvait plus rien faire. Mais nous aussi on peut jouer à l'invocation nulle. Puisqu'il nous reste des invocations nulles. Le sort en est jeté. Ton destin contre le mien. Finissons-en une bonne fois pour toutes. La récompense ira au vainqueur. Attention, ça va être impressionnant. C'est inconcevable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand chose d'intéressant.
On a invoqué des ogres. Attention, prends garde à toi. Il y a 8000 trucs qui ont été invoqués. Je ne sais absolument pas ce qui se passe, je ne vois rien, je ne comprends rien. Oui. Tout ce que je sais, c'est que Valigar va encore mourir parce qu'il est bloqué. Le problème, c'est pas qu'elle est coincée, c'est que Valigar était coincé. Et comme elle invoque des trucs à la chaîne. C'est entendu. Ta force est supérieure à ce que j'imaginais. Le sort en est jeté. Que puis-je faire pour toi? Ton destin contre le mien. Finissons. Mais t'as retrouvé une rapidité là de où? La récompense ira au vainqueur. Pas attentif. Pas du tout attentif. Ta force est supérieure à ce que j'imaginais. Le sort en est jeté. Ton destin contre le mien. Finissons-en une bonne fois pour toutes. La récompense ira au vainqueur. Ça m'aiderait que ça passe, ça. Ouais, sans protection magique, c'est pas bon. Je sais pas ce qu'elle sort. Elle en est où? Légèrement blessée. Ok, très bien. Mais putain, ils ont plus l'immunité à la peur non plus. Oh là là. Ça dépend pas mal de ce qu'elle invoque en fait. Les démons d'os sont vraiment très chiants. Ta force est supérieure à ce que j'imaginais. Oui. Le sort en est jeté. Ton destin contre le mien. Finissons-en une bonne fois pour toutes. La récompense ira au vainqueur. Elle a balancé sa dissipation.
Valigar étourdi, il va crever. Voilà. En fait, on arrive au stade où il n'y a plus vraiment de technique à part bourrer en espérant qu'il claque, je pense. D'ailleurs, on était pas loin, puis elle s'est balancée un soin. Ta force est supérieure à ce que j'imaginais. Le sort en est jeté. Que veux-tu ? Ton destin contre le mien. Finissons-en une bonne fois pour toutes. La récompense ira au vainqueur. Je ne sers que la nature. Oui. Que puis-je faire pour toi ? Jalkales ? Alors, est-ce que toi t'as encore une invocation qui traîne ou un truc du genre ? Exprime ta volonté. Critiquer Tornade, les seules techniques, ouais, je suis d'accord, mais. On arrive au stade aussi où il faut pas mal de chance. Sur les jets, etc., mais. Pour l'instant, ça suffit pas. Ta force est supérieure à ce que j'imaginais. Le sort en est jeté. Elle est ultra balèze pour rester un groupe de ce niveau, absolument. Surtout qu'on pourrait se dire que bon, c'est bon, vu le combat d'avant, il pourrait la rendre un petit peu plus faiblarde, histoire de équilibrer le fait qu'elle ait plus de sort et tout, mais non, non. Démerde-toi, débrouille-toi avec ça. Je suis toujours là. Jalkales. Exprime ta volonté. C'est con qu'on peut pas la recruter, ouais carrément. Résistance d'acier, ça peut essayer d'éviter qu'ils prennent trop cher. Surtout dans le cas de Valigar où elle a l'air vraiment d'avoir ta force est supérieure beaucoup l'aimé. Le sort en est jeté. Ton destin contre le mien. Oui. Finissons-en une bonne fois pour toutes. La récompense ira au vainqueur. Je ne sers que la nature. Je vous entends très bien. Que veux-tu ? Exprime ta volonté. Jalkales. C'est trop jamais. Avec les mères, je ne sors pour passer ses protèges. Ouais, c'est un peu ce que je voulais faire sur ce coup-ci. Le problème c'est que elle se protège mais elle attaque aussi. Hop, elle a dissipé.
Ok, jusqu'ici c'est pas mal. Que se passe-t-il? Il était. J'attendais ça. Oui, allez. Il n'y a plus grand chose en stock. C'est la fin de la journée, mes bonnes dames. Eh ben putain. C'est pas trop tôt. On en a bien chié. Les dieux ont décrété que ce combat était terminé. Deux secondes. Cela suffit, Amélissane. Les dieux ont décrété que ce combat était terminé. Non, je suis une déesse. Ce sera terminé quand je l'aurai décidé. Tu n'es pas une déesse, prêtresse de Baal. Tu manipules des énergies volées qui te rendent immortelle, qui te donneront un immense pouvoir. Mais cela ne fait pas de toi une déesse. Non, l'enfant de Baal ne m'a pas vaincu. Je refuse d'y croire. Je préfère mourir. Tu ne peux pas mourir tant que les essences sont en toi. Mais en ce moment même, elles luttent pour s'échapper de ton corps affaibli. Tu as perdu. La destinée appartient au vainqueur. Non, je vous tuerai tous. Tu ne feras rien d'autre, Amélissane, qu'accepter ton destin. Ce qui était écrit est arrivé, enfant de Baal. Un choix s'offre à toi. Tu as vaincu tous ceux qui t'ont attaqué. Tu dois maintenant décider de ton destin. Il ne reste plus qu'un seul rejeton du dieu défunt, celle qui a combattu à tes côtés. Son essence est limitée, mais elle doit choisir. Tu parles de moi, n'est-ce pas? Tu parles de cette partie de moi, de ma souillure, des pouvoirs que j'ai acquis? As-tu l'intention de garder cette essence, enfant de Baal, ou vas-tu la céder à ton aîné? Si j'avais pu m'en débarrasser volontairement, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais prends-la, j'en en veux pas, je n'en ai jamais voulu. À ta guise, Imoen, il en sera ainsi. La décision finale appartient maintenant à ton aîné. La plupart des essences des enfants de Baal, seigneur du meurtre, t'appartiennent désormais. Elles sont à toi seule. Tu dois choisir comment utiliser ce pouvoir. Fais preuve de sagesse. Ce choix est irrévocable. C'est quelles sont mes options? Je choisis la formule offensive. D'abord, tu peux choisir d'abandonner l'essence qui t'imprègne. Elle sera transmise à Amélissane et son âme contenant toute cette essence devra être détruite. Cela peut te paraître cruel, mais Amélissane a stupidement scellé cette essence dans son âme, et c'est le seul moyen. Le prix à payer en cas d'échec est toujours très élevé. L'abandon de cette essence permettra au dieu d'effacer toute trace maléfique qu'elle comportait et de l'enfuir au plus profond du mont céleste, l'empêchant à jamais de souiller d'autres âmes. Quant à toi, enfant de Baal, tu deviendras mortel, libre de vivre ta vie et de suivre le destin que tu as choisi. Tu resteras en dehors des manipulations divines et ton âme sera purifiée. Et l'autre option? Une fois l'âme d'Amélissane détruite et l'essence libérée, tu pourras choisir de la prendre pour toi si tu le souhaites, et tu pourras régner sur le trône de Baal. Tu as combattu l'essence maléfique de ton père avec beaucoup de vigilance, c'est très impressionnant. Suffisamment pour que j'ai envie de rester à tes côtés. Les pouvoirs que tu peux revendiquer t'attireront de nouveaux ennemis et l'attention de dieux tels que Siric, qui a usurpé la place de ton seigneur grâce au traité d'Ao, le père des pères. Je combattrai à tes côtés et je te soutiendrai dans les épreuves qui t'attendent dans les plans. Ton avenir est incertain, même pour les dieux. Mais c'est un grand avenir, je le sais. C'est un choix difficile, mais tu n'as que ces deux options aux enfants de Baal. C'est maintenant que ton destin se dévoile et que commence ton avenir. N'hésite pas. Si j'étais à ta place, je bondirais sur cette occasion. Et je suis d'ailleurs mort en essayant. Vas-y, prends ce que tu mérites. Alors c'est ainsi que ça doit finir, hein. Après tout ce que nous avons vécu, de Château Suif à la porte de Baldur, après avoir déjoué les plans d'Irénicus et de Bodhi, je me demande ce que dit Grégorion. Moi, tu me manqueras si tu pars. Tu es plus qu'un frère pour moi, je te dois tout. Mais qui ne rêverait pas de visiter les plans? Qui ne voudrait pas voir la fin de cette histoire de la meilleure manière? J'ai tenu jusqu'au bout ma promesse à Gorion. Il sera difficile de te voir atteindre un niveau supérieur, si ce n'est que si c'est ce que tu choisis de faire. Mais tu as la plus besoin de mon soutien. Des papiers toilettes à la fine si tu prends le trône. Oh mon dieu! Au cas de confinement. Je prie seulement pour que tu prennes la bonne décision pour toi, Fade. Même Gorion te demanderait la même chose. Quelle gloire de pouvoir enfin profiter de ton droit de naissance, de prendre les pouvoirs à pleine main comme tu en as le droit.
Si tu ne le fais pas, la seule raison qui t'aura poussé jusqu'ici sera celle d'avoir vaincu tous ceux qui veulent te barrer la route. Il n'y a qu'une seule voie, celui-là, et je serai peut-être ton premier clair un jour. Pense-y. Si tu souhaites être souillé à jamais par balle, tu ne saperas tes forces, si tu ne lui obéis pas de ton plein gré. Mon conseil serait de choisir ta propre destinée. Ne reste pas dans l'ombre de ton seigneur. L'heure est venue de faire ton choix, enfant de balle. Que désires-tu? I want to be a god. Soit, tu nous as prouvé à tous que c'est à toi qui contrôle le pouvoir coulant dans tes veines, et non pas celui qui te contrôle. Je serais fier de marcher à tes côtés dans la lumière du pouvoir céleste. I got the power. Oui, tu as réussi là où j'ai échoué. Avec un peu de chance, tu déchireras le ciel d'une traînée de sang que les dieux ne seront pas prêts d'oublier. J'aimerais tant pouvoir me joindre à toi. Bonne chance, Fade. Tu me manqueras. Mais je sais que nous nous reverrons. Peut-être que je te tirerai d'affaire une fois de plus. On ne sait jamais. Tu as pris tes décisions au fond de balle. Mais elle doit être suivie par des actes. Prépare-toi. Amélissa ne va passer un moment nul. Ça doit faire mal. Elle avait pas mis son petit casque. Votre essence mortelle s'effrite alors que vous embrassez votre divinité. Grâce à vos alliés et à vos ennemis, vous avez conquis votre héritage, transformant l'ombre en lumière, et le pouvoir infernal de Baal n'a désormais plus d'emprise sur vous. Vous prendrez place aux côtés des plus grands, comme une force de l'équilibre et du bien. Beaucoup de choses touchent à leur fin, mais une nouvelle destinée s'étend à l'infini devant vous. Il reste bien d'autres créatures maléfiques à combattre, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, et bien d'autres lieux dans les plans dont vous n'avez même pas idée. Dans les années à venir, votre nom servira de phare pendant les temps obscurs. La légende de votre vie servira d'inspiration et de guide, et les serviteurs des ténèbres fuiront votre colère. Cet héritage changera à jamais le visage des royaumes. Et voilà, on est un dieu du bien parce qu'on avait une réputation supérieure à 10, il me semble. Et donc du coup, on est un bon dieu. Petite vue de ce qui se passe sur nos compagnons. Viconia, peu après avoir quitté Fade, se retira à Eau Profonde où elle rejoignit le culte de Char. Mais la trahison de l'un de ses disciples provoqua la perte de tout son groupe. Char admonesta vertement Viconia pour cette négligence, ce qui la décida à repartir sur les routes des royaumes. Sa puissance lui permit de repousser une attaque des chevaliers du bouclier sur Kalimpor. Elle se joignit également à Dritz de Urden pour porter secours à cité elfe de Soldané Salar, victime d'un complot du Santarim. Les elfes reconnaissant l'accueillir alors, et la reine Elissim lui accorda les plus grands honneurs de la Seldarin, une récompense jamais octroyée auparavant à un elfe noir. Elle l'accepta sans trahir la moindre émotion et disparut peu après. On resta sans nouvelles d'elle depuis. Valigar est encore mort 850 cette fois. Valigar continua à parcourir les chemins plusieurs années après avoir quitté l'enfant de Baal. Il resta longtemps dans les environs d'eau profonde, mais se retira à Tkatla pour y mener une vie de contemplation et enfin trouver la paix intérieure. Il fut pressé de prendre la charge de prévôt de la ville, une responsabilité qu'il rejeta dans un premier temps, mais la corruption rampante qui gangrénait la ville eut raison de son inflexibilité et il accepta le poste. À sa grande surprise, il se révéla être un dirigeant juste et efficace, ce qui lui permit de redorer le blason de Cortala. Il se maria et de son union naquit un fils, qui suivit les traces de son père. Il fut nommé quelques années plus tard à la tête des mages cagoulés, dont il devint un réformateur très apprécié. Sarvok ne put s'établir nulle part pendant les années qui suivirent sa résurrection par Fade.
À lui seul, il aurait mis en déroute une armée d'orques à Berdusk, mais sa puissance et sa férocité terrifièrent autant les habitants que les envahisseurs. Il arriva à Port Ponant en conquérant, renversant tout sur son passage avant de mystérieusement disparaître quelques semaines plus tard. Ses actes furent diversement interprétés, mais tous s'accordèrent à dire que Sarvok était une âme torturée, à la limite de la vie et de la mort, incapable de fixer sa volonté sur l'un des deux états. La légende prétend qu'il serait alors parti seul à l'assaut des abysses, à moins qu'il ait décidé de mettre un terme à ses souffrances. En vérité, il se retira à Karatur, pour y enterrer Tamoko la guerrière, le seul amour de sa vie, et n'en revint jamais. Enfin, d'après les légendes. J'ai commencé quand Baldur's Gate 1 Oula, il y a bien longtemps. Faudrait que je retrouve la date du premier... Mais ça fait, une paire de mois. Et qu'en est-il d'Imoen, l'enfant éternel? Elle resta longtemps dans l'ombre de Fade, mais finit enfin par se faire un nom. Elle retourne tout d'abord à Château-Suif, où l'extraordinaire magicienne trouva de quoi s'occuper en dévorant littéralement la sublime bibliothèque. Cela ne dura qu'un temps, et elle reprit la route aux côtés du grand Elminster et de Kelben Bâton Noir. Son influence grandit dans les royaumes, et elle aurait même fondé une guilde de voleurs qui opérerait jusqu'à pas d'hiver. Lorsqu'on lui demande si cette rumeur est fondée, elle affiche un sourire angélique et répond invariablement « Hey, vous parlez de moi, Imoen !» Les événements dont Jaira fut le témoin privilégié l'affectèrent profondément. Elle se devait être la garante de l'harmonie, mais elle ne sut la conserver. Et cette pensée la tourmenta de nombreuses années. Elle devint désabusée et acariâtre, se lamentant de longues semaines sur la futilité de la vie et la perte de ses anciens amis. Elle acquit le statut de champion de la balance, mais plus en récompense de ses prouesses passées que par un souci d'efficacité. Ses rapports avec les ménestrels devinrent aussi tendus qu'aléatoires, d'autant que sa vie n'avait rien de stable. Elle voyagea beaucoup, tentant de ne jamais s'impliquer dans quelque affaire que ce soit. On la vit beaucoup dans toutes les parties des royaumes, à l'exception du Tétir et de la Côte des Épées. Eh ben, gros destin de merde pour Jaira. Et c'est la fin! C'est la fin de notre aventure sur l'intégrale Baldur's Gate 1 et 2 et les extensions. Juin 2019, on avait commencé. Plus d'un an dessus. Donc, voilà, ça fait un bout de temps qu'on se l'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on en pense-t-il donc? Eh ben, ça reste un très 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 grand jeu. Eh ben n'empêche, le sujet de la vidéo, la toute première vidéo, c'était première vidéo d'une longue série sur Baldur's Gate en attendant la sortie du 3, bah, le 3 sort bientôt, impeccable, timing parfait. Bon, bah, j'espère que vous aurez apprécié ce let's play, tout autant que je l'ai apprécié. Merci beaucoup à Tancred et à Capinostra pour leur fidélité, principalement, pour être restés de longues heures avec moi. Pour souffrir comme j'ai souffert. Ben, je suis content que ça vous ait plu, si ça vous a plu. Et puis, ben... La prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on va faire. Dans une semaine, on tacte 3, ben, c'est fort probable. On va le découvrir tranquillement ensemble, puis... Là, ce sera plus en mode découverte, en mode... Bah ouais, du coup, j'ai la pression. Du coup, YouTube, je vous dis... Bonne continuation, retrouvez-nous sur d'autres let's play, d'autres aventures, et puis à une prochaine fois. Salut, salut.